Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un petit épisode 7. On avance bien, j'avance un petit peu en quête secondaire. Question de monter un peu mes levels, que j'étais un peu short. J'étais level 8 ou 9. Là, je suis level 11, donc ça devrait être un peu mieux déjà. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire, venir sur J'essaye de Discord si vous convaincre voulez. Solek de m'apprendre le lancer de couteau. Il me dit qu'il ne sait pas faire, mais je crois qu'il ment. Je Le ne lancer lance de pas mes couteau, ça peut couteaux. être sympa. Ce ne sont pas des jouets. Si t'en as autant, c'est forcément pour les lancer. C'est pas vrai, hein? Si seulement tu t'entraînais au lieu de bouder toute la journée, tu serais un vrai guerrier. Et tu lancerais le couteau. Ça ressemble à un défi, Nol. Ok, Solek. Je vais te prendre au mot. Entraîne-moi. C'est d'accord. Mais avant, il faut que j'aille voir ce que Harding a volé au clan. Je t'accompagne. J'ai envie de voir ça. D'accord. Et après, on pourra peut-être commencer l'entraînement. Avec plaisir. Ok, on avait ça. Et puis parler cuisses. Bon, bah, les cuisses, elle est là. T'aurais peut-être pas du tout goûté. Eh, hey, te voilà. T'as faim? Tant mieux, on a quelque chose de spécial à te faire goûter. Tu dois absolument goûter ça. J'ai jamais essayé de les faire griller, mais la pyrolyse du sucre devrait créer une saveur encore plus incroyable. Comme les oignons frits. La cuisine, c'est juste de la chimie après tout, non? Oui, oui, merci, Alex. Garde le cours pour plus tard, ok? Tu gâches la surprise, là. Ces saveurs doivent être vécues, pas expliquées. On a cuisiné un vrai plat navy. Ça a l'air bon, non? C'est toxique pour les humains. Ouais, mais on le voit pas le plat navy, là. Il est où, là? Ah, c'est dommage. J'adorerais pouvoir me Il nous parle du plat, il nous le montre pas. Goûter au plat. Ah bah si. Ok. Je me sens bizarre. Oula, il m'en... Oh bah. Les effets s'estompent au bout d'un moment. 10 secondes, on a un peu étourdi. Ah bah oui, c'est inversé. Mais ça fait déjà plaisir. Droite, c'est gauche, et gauche, c'est droite. Ah oui, il a voulu m'empoisonner en fait. Et nous devons l'être aussi. Sympa l'équipement. N'en prends pas une si grosse. Trop tard. Oh. Ah. Tu veux un peu d'eau? Non. Nourriture médiocre. Oh, mais pourquoi? Ah ouais, je perds de. Ça crépite dans ma bouche. T'inquiète pas. Elle a voulu nous tuer, quoi. Celui-là est vraiment pas mal. Pas trop relevé? Maintenant que tu le dis, c'est un peu. Oh, 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 ça pique! Ça doit être agréable de redécouvrir Pandora après tout ce temps. Profitez de la fête. Regardez-moi cette bioluminescence. C'était. Ah oui, j'ai amélioré mon équipement aussi. J'ai fait quelques plans. Il manque encore des ingrédients. Clair, la prochaine fois. Je voulais partager ma douleur. Waouh, merci. Je sais que Jin Yang et son équipe ont fait de leur mieux, mais nos vieilles rations étaient meilleures que ça. Je sais pas. J'ai apprécié les émotions de chaque plat. Ce sont bien des mots de diplomate, ça. Désolée d'interrompre vos festivités, mais je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Je suis dehors sur la plateforme d'observation. Ok, j'arrive. La plateforme d'observation... Ils adorent ces plaines, mais ils savent qu'elles ne leur Je vois pas. Pas. On va aller dehors, on verra bien. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. On a beaucoup changé. Nous tous. Je suis si fière de notre résistance. Notre ? Regarde. Ça, c'est Sarento. C'était au fond d'une boîte. Avec tout ce qu'Harding a dérobé à notre peuple. Nous avons réussi à le récupérer. C'est tout ce qui importe. Nous. Plus plutôt eux. Hein. Volé à vous. Ah oui, hein. Elle nous a leur envolé. Et c'est vous qui décidez de ce que c'est.
ce que l'on veut, ce qu'il faut faire. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Vous protéger. On n'avait pas besoin d'être protégé quand on avait notre clan. Où était votre protection quand Harding m'a forcé à tenir une arme? Et qu'elle m'a cassé les doigts pour y arriver? Ou quand Mercer a fait battre Taylan pour avoir mouillé son lit? Il en a longtemps gardé les marques. Il m'avait dit d'arrêter. Ou encore quand ils ont emmené à Harry. On ne l'a plus jamais revu. Harry. Il n'avait absolument rien fait pour Harding Mercer. Elle avait peur aussi, non? C'est responsable du mal qu'il a fait. Pas maintenant. Priya, tu peux répéter? Ah, ceux du ciel, ils arrivent. Oh les bâtards, ils sont en train de tout défoncer. Ah ça c'est chiant. Ils nous mettent la cinématique de combat et après ils nous mettent un chargement qui nous calme. Enchaîne avec la cinématique, toi, un truc qui garde l'action. Ah, il est encore là lui. Putain. Après là tout brûle, salaud. Attendez, on va repartir avec eux, non? Ça pas. Et allez, un chargement encore une fois. Oh, ils abusent. Ah si, on est encore dans leur faking base là. On va faire de toute façon. Comment je suis arrivé là? C'est moi. Mercer et Harding nous ont chopé au QG. Mais je vais trouver un moyen de nous faire sortir. Billy? Billy Nash, c'est toi? Mais comment? Je t'entends pas trop là. Alors on fera les retrouvailles plus tard. Hein, en attendant, tiens bon. Attends, Billy. C'est pas le môme qui prenait la défense de Mercer au début? Je m'en rappelle plus là. Parce qu'en plus, il contrôle la caméra, c'est qu'il est forcément avec eux. Ça peut être que là-dedans, c'est vert. Billy? C'est toi? Où sont les autres? Mais comment tu peux faire tout ça si Mercer nous a capturés? Le talent. J'ai réussi à les convaincre que je voulais revenir dans leur camp. Et maintenant, je vais te sauver. Et je bossais là, si tu veux tout savoir. Enfin bref, continue d'avancer. Te fais parterrer et rejoins-moi dans la salle de sécurité. Je peux rien prendre, hein. Ouais, non, c'est vraiment... Là, ça va être infiltration, je pense, la mission. Là. Ils ont aucune chance. Ils s'en rendent pas compte ou quoi? C'est tellement codé. Genre, le robot depuis tout à l'heure, il bouge pas. Et au moment où j'arrive vers le trou, il bouge. Là, je vais arriver là, il va bouger. Ah, c'est codé de ouf. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ah non, c'est avant pas lui. De discuter de ce plan, comment as-tu convaincu Mercer et Harding que tu étais de leur côté? On l'a pas vu, Billy. Avant que tu dises quoi que ce soit, sache que j'avais pas le choix. C'était ça ou mourir. Et puis, je t'ai aidé, non? Donc, je suis supposée te faire confiance? Je connais cet endroit et je sais comment nous faire sortir. Alors, soit tu me fais confiance, ou soit tu te démerdes et tu utilises ta super force ou je sais pas quoi pour affronter un hangar aérien rempli de soldats. J'ai pas tellement le choix. Bon,
Comment on sort d'ici? Mais attends, du coup, lui. Je vais pirater cette porte pour toi. Ça devrait être bon. Oh, oh, calme-toi. N'ouvre pas les portes. Pourquoi? Cette sale grouille de soldats. Super. Tu vois? Quand tu suis mes conseils, bah, ça marche. Presque la fin de la journée. Enfin, ça me fait chier les gardes de nuit. Merde. Hein? Bon, voilà. C'est là que ça se complique. Pas maintenant. Les AMP sont en dessous. Y a pas que les AMP en dessous, je te le dis, moi. Je m'ennuie à crever. On peut les prévenir ? Non, pas le temps. Ce site tout entier est un hangar aéronautique. Leurs hélicos sont parés à tirer sur tout ce qui vole à tout moment. On doit faire sauter cet endroit. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je regarde. Le système de refroidissement peut-être ? Oh, mais oui, je suis un génie ! Tu peux m'expliquer ? Pour l'instant, j'avance. Le problème, c'est que ce robot... On va attendre. Et le truc, il est juste en haut. Ouais, mais on fait comment si... Mais le problème, je vois pas comment faire parce que en haut il y a deux robots, ils tournent dans le même sens. Donc de toute façon, je peux même pas aller tranquillement là-haut. Je dois aller aussi à droite. Mais à droite, faut que je passe par le milieu. Au milieu, il y a un garde. Il y a le robot qui est là qui prend le contrôle. Donc je vois pas comment. On va voir. Tiens, c'est nouveau ça.
Bon, alors là, je vais pas vous mentir, je sais pas comment j'ai fait. Ah, j'ai été d'une traite, hein. J'ai dit, c'est quoi? Attends, c'est quoi ce chemin? Faut que je repars là où j'ai été. Oh l'enculé. C'est mort. Mais il y a trop d'ennemis. Je peux pas. C'est pas possible. En plus, à chaque fois, ils me remettent au début. Donc, je suis obligé de retraverser tout ça. Et c'est un délire là. Là, il y a le chemin. Putain, mais ils sont sérieux? Alors, ce fucking chemin, il y était pas? Carrément. Du moins, j'ai peut-être mal regardé. Moi qui dis des conneries. Je suis quand même alerte en jaune. Ah oui, parce que j'ai enlevé le refroidissement. Ok. Repart là-haut. C'était de la folie. Je sais même pas ce que c'était. J'ai mon chargeur, j'ai continué à courir. Ah ben le problème c'est qu'il est. Je suis quand repéré qu'en jaune. Je veux dire, je suis repéré qu'en jaune, mais il continue à me. Voilà, genre il est en jaune, mais il continue à voir où je suis, c'est pas normal. Ça, est-ce que si je passe par là, ça craint ou pas? Ouais. Je pense que ce chemin il est fait pour ça. Mais ils me disent d'aller là-haut. Alors que je reviens ici. Comment je suis censé bouger dans ce cas-là? Ok, c'est bon, j'ai vu la porte. Checkpoint, je serais pas trop comment dire, ça serait pas de refus. C'est verrouillé. Je m'en charge. Une seconde. Voilà, on a un peu comme la première mission du jeu, on a plus dans le mode évasion depuis le début. Hein. Je vais dans la bonne direction. Ouais, je te vois. Et vous venez d'activer là-haut, non? C'est le meilleur moyen de filer d'ici. Tu vas devoir le pirater. Ouais, voilà.
une bonne nouvelle. Ouais, le mon matos. Ouais, tu dois accéder au conduit d'aération au-dessus de toi. Ce passage te mènera directement à ton équipement. Au-dessus de moi ? Je sais, y'a pas de quoi. Je peux pas l'atteindre. Attends un peu. Ah, voilà. Essaie maintenant. Stylé. Il est chaud, Billy. T'es en train de faire une danse de la victoire? Bah ouais, bien sûr. C'est bon. Super. Bon, maintenant on retourne dans la salle de ventilation et on va pirater le système. Attends. Il y a une petite récompense qui m'attend. Ah, il est pressé, Billy, il est pressé. C'est quoi? Ah bah là, en plus c'est un arc. Ok, du soin. Hop, la totale. Ok, ça je suis full, Je vais regarder personnage, l'arc que j'ai eu. C'est un combien? 15% de dégâts après chaque attaque est réussi. Ok. Et lui, c'est 10% d'énergie après éliminer, supprime toutes les... Comment ça, les pénalités? Enfin bref, ça me fait monter mon level, on va le mettre, mais je comprends pas trop le... Alors, comme ils disent, leur pénalité, là. Voilà, et là, du coup... Ça tombe sous le sens. Oula. Niveau 3, ok. Ah, c'est un niveau 4. Ça va, c'est pas sorcier, mine de rien. Voici, j'ai créé à 100%. What, je suis carrément sous l'eau, là. Ok. C'est un truc aérien, mais il y a de l'eau à l'intérieur. On va peser une tonne avec de l'eau. Enfin bref, je voulais te dire... Tu sais ce que j'ai dit à Mercer? Quoi? Quand tu m'as vendu pour sauver ta peau? Ouais, ça, voilà. Oh, je suis désolé, j'ai paniqué. C'était vraiment pas cool de ma part. Je tenais à te le dire, c'est tout. Excuse acceptée. Tu ne sortiras jamais. Tu es comme un rat en cage. C'est la fin pour toi. Ok, des bazookas un peu partout. C'est qu'à mon avis, il faut pas mal de coups pour le niquer quand même. Tes conneries en valaient la peine, j'espère. Parce que tu verras plus jamais la lumière du jour. On verra ça. Oh merde. Donne-moi une bonne nouvelle. Merde. Le problème c'est que les roquettes... Ah oui, j'allais dire je peux pas les garder dans la main. Ouais, écoute. Trouver meilleur des membres.
Tu fais bien de se planquer. Il y a des ennemis là. C'est qui parle? À mon avis. Ah non. Toutes les prix. Hop, je suis au max au niveau des cartouches. Hop, en haut. Les ennemis sont sortis, ils sont près de la mine. Eux, ils vont se prendre la mine aussi. Quoi? Dodo. Vous deux. Bim, dodo. Soigner, j'en profite pour aller chercher d'autres soins. Bon, alors, c'est bon. Échapper au piège de merceux. Je vais d'abord aller récupérer mes petites mines. Ça coûte cher. Hop là. Il n'y a aucune sortie là. Billy, tu m'expliques? Ah ok. Faut pas créer de... Ah non, il manque des trucs de cargo. Où est-ce qu'on se retrouve? Je crains que ce soit mon dernier appel. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois désactiver manuellement la dernière étape du système de refroidissement. J'aurai pas le temps de sortir. Je reviens te chercher. Essaie de gagner du temps. Si on attend, tout le monde va mourir. Quand j'aurai appuyé, t'auras genre 20 secondes pour sortir de cet enfer. Je savais que t'allais vouloir jouer les héros. À mon tour maintenant, ok? Fais attention à toi. Billy? Billy! Ah ouais. Mince, il me cherche. Ils sont tellement nombreux. Alors par contre, faut qu'on m'explique. Pardon? À travers les arbres? Oui. Tout à fait, tout à fait. Wow, non mais en fait, faut pas tirer quoi. Faut clairement pas tirer, faut juste courir. Parce que me manger des trucs à travers les arbres... je sais pas si les arbres sont modélisés ou pas, mais là, il y a un petit problème là. Il doit bien avoir un passage entre les deux. Je
crois que c'est bon. Ouais, voilà, t'as l'air de solution. Hein. Mais où suis-je? Point de compétence. Ah. Alors attendez les gars, c'est pas ce qu'on va faire. Vous portez deux grenades pour l'instant, c'est pas trop intéressant. Ça par contre, ça va être intéressant parce que ça, des dégâts supplémentaires sur l'arc, c'est vraiment pas dégueu. Mais bah, quoi qu'il arrive, on va devoir améliorer ces deux-là. Et bah, ça aussi, dégâts de base de 10, très important. C'est non, trop loin je pour peux elle. Pas appeler mon écran. Priya, allô? Priya, tu m'entends? J'y crois pas. C'est toi? T'es en vie? C'est merde. Formidable. On a cru. C'est une super nouvelle. Je vais prévenir les autres. Où êtes-vous? Tout le monde va bien? On est ailleurs. Un lieu caché. Une de nos anciennes réserves de matériel. Je t'envoie les coordonnées. On est tous vivants? En sécurité? Non, je sais pas ce que c'est, mais je vais aller checker un coup. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire et... Oh, c'est quoi ça? C'est un os? Et j'ai perdu Billy. Oh non! Pauvre Billy! Exemplaire! J'ai pu m'en sortir grâce à lui. Il s'est sacrifié. On doit se concentrer sur les survivants. Pour ceux qu'on a perdus. Oui, et à ce propos, je m'inquiète pour Taylan. Il n'est pas revenu. Il n'est pas monté dans le Samson avec toi? Non! Je l'ai vu s'enfuir vers la forêt pendant l'attaque. Oh non! Tu crois qu'il est toujours là-bas? Ou pire? Oh, c'est peut-être encore pire. C'était le chaos. Il a dû prendre peur. Comme nous. Je vais essayer la radio. Ouais. Oh, attendez, je récolte un petit peu. Dylan, je sais pas moi. Où je suis, mais... Oh! Taylan, tu m'entends? Tu es blessé? Pas d'autre sortie? Ah, ouais. Taylan, parle-moi. Où es-tu? Je viens te chercher et je te ramène à la résistance. Il n'y a que ça. Non, pas là-bas. D'accord. Où est-ce que tu veux aller? Peu importe. Rien n'a plus d'importance. Tout le monde s'inquiète pour toi, Taylan. Je m'inquiète pour toi. Il faut être en colère. Retrouver un sens en repère. Ah oui, c'est là-haut. Bien sûr que non, enfin. Si, c'est ma faute. Il a dit qu'il tuerait personne. Il a dit... De qui tu parles? Je lui ai parlé avec ma radio. Il m'a dit qu'on serait à nouveau réunis. Comme une famille. Alors, je lui ai parlé de notre petite fête. Oh, c'est de sa faute, c'est mince. C'est la mère-sœur que tu as parlé? Il voulait savoir quand arriver. Pour que les soldats nous laissent tranquille. Dis-moi où bah, tu il es. Fait encore confiance à mère-sœur, lui, hein. Oui, ça va. J'arrive bientôt. Comment tu vas, toi? Je tiens bon. J'ai juste besoin d'un instant. Il va mourir. Ok. Pardon. Me revoilà. Je tiens bon. Est-ce que tu as vu Taylan? J'imagine que... En fait, je viens... Attends un peu. Je sais pas si... Merci pour ces cadeaux. Ah mais c'est la vente périmée qui m'a donné, non? Ah. Super. Il est où le troisième? Bon, alors. C'est vrai? Il est blessé. On va faire le troisième. Non, mais. Il m'a avoué quelque chose. Il n'a jamais arrêté de parler à Mercy. C'est lui qui lui a dit pour la fête.
C'est là que Mercer en a profité pour attaquer. Rin est là ? Je suis là. Je... Tous ces morts, cette souffrance... Pourquoi Daylan ferait ça ? Il pensait que Mercer allait nous protéger. Mercer a toujours su le manipuler. Nous ne sommes plus des enfants. Mais il a trouvé un certain réconfort auprès de Mercer. C'est sa façon de survivre face à toutes ces horreurs. Il a eu du mal à s'adapter à la liberté, à la résistance, comme nous tous. Quand tu grimpes, c'est tellement fluide. Ce n'est pas ta faute, Rinella. J'aurais dû m'en douter. Personne n'a rien vu venir. Mais si j'avais pu lui parler... Pour dire quoi ? N'écoute pas Mercer ? On sait comment ça aurait fini. Il faut qu'on le retrouve. Je pense qu'on devrait lui laisser du temps. Il reviendra quand il sera prêt. Peut-être que tu as raison. On en discutera quand tu seras là. J'aimerais bien réussir à faire un... Comme ils disent, un kill... Et kill sans bavure, là. Ouais. En fait, faut juste attendre qu'il lève le cou, j'ai l'impression. Là, il se barre. Clémence. Merci pour ces cadeaux. Ok. Là, j'en ai eu un, mais... Ah, je suis plein. Ah, lui, il est mort tout seul. Ah, il est mort seul. Et l'autre il s'est barré donc on sort. Je vais le courir après. Du coup si je monte sur l'arbre, que je vais pouvoir. Yes. Je pense que c'est le bon chemin. Hein. Ouais, ça a l'air. Ouais, si c'est bon, il y a tous les liganes pour monter et tout. C'est marrant les petits trucs qui se lèvent là, les petites queues empoisonnées là. T'as vraiment l'impression que c'est le quartier des mobs là où on est. Oh, c'est quoi ça? Ah, je peux pas prendre alors je suis plein. Vous voyez que je fasse un peu de nourriture ou je craft ou quoi. En tout cas, là, je viens d'avoir un truc noble. Je sais pas si on en a besoin pour des équipements ou autre, mais bon. Je comprends pas trop encore le niveau des équipements. Je sais que c'est lié au. Alors, c'est même pas de la nourriture, aux objets que tu ramasses, mais surtout à la rareté, si j'ai bien compris. Genre, plus il est élevé, genre s'il est 40-50 et qu'il est en sublime ou autre, ça, ton équipement il est meilleur. Mais le plus important, c'est surtout le numéro. Genre, s'il y a 40 et 40, l'équipement il fera 80. Donc, si j'ai deux trucs à mettons à 20, bah j'ai que 40 ou quoi. Donc, faut vraiment trouver les bons trucs quoi. C'est comme ça que j'ai pu améliorer mon torse. J'ai pris deux trucs, je crois. J'avais 25 et 25, je crois, un truc comme ça. Mais en rareté basique, en plus, inconvenable, je crois, où c'était, ou un truc comme ça. Donc vraiment voilà. Ultra classique. Priya m'a parlé de ta fuite. Ça me rassure de voir que tes instincts de Na'vi t'ont sauvé la mise. Ça fait plaisir de te voir, Solek. C'est grâce à Billy. Il est mort pour me sauver. Pour nous sauver. Cet imbécile m'a interdit de revenir le chercher. Billy a rejoint ses ancêtres. Je crois bien. C'est tellement regrettable. C'est vrai. Mais je suis content que tu sois là. Tu n'es pas blessé. La forêt embrumée est piégeuse. J'ai trouvé des traces d'un brouillard mortel. La RDA. Ils empoisonnent tout ce qu'ils touchent. Même ici. J'espère qu'on est en sécurité ici. Au moins pour un moment. Je n'aurai pas de repos tant que ceux qui viennent du ciel n'auront pas payé pour ce crime. Nous en avons perdu tant. J'espère que nous n'en perdrons pas plus. Mais je m'inquiète pour Nor.
Je l'ai trouvé nerveux avant l'explosion. Il lançait des accusations contre Alma. Il t'en a parlé ? Non. Mais je vois son regard s'assombrir, et j'ai déjà connu ça. La rancœur consume tout ce qu'il reste de Na'vi en lui. C'est dangereux. Est-ce que tu pourrais lui parler ? Pour être franc, j'essaie de ne pas suivre le même chemin. Allez. La douleur de... Tu as survécu. Oui. Comment ça va ? Franchement, pas très bien. On commence à manquer de ressources. Et je n'aime pas qu'on soit en territoire Kametiere. Pourquoi ? Ils sont dangereux ? So'lek dit qu'il n'aime pas les étrangers. Et selon Alma, il ne faut pas leur faire confiance. Elle t'a dit pourquoi ? Non. J'aurais dû demander. Mais je n'y ai pas pensé jusqu'à maintenant. C'est peut-être qu'une rumeur ? Ou peut-être qu'il n'aime pas les humains ? Peut-être. Tu as réfléchi au sujet de Taylan ? Oui. Il va lui falloir un peu de temps. Mais je pense qu'on ne devrait pas en parler à Nor. Il a déjà été très secoué. J'ai peur de sa réaction. Tu ne penses pas que ce sera encore pire de lui mentir ? On verra plus tard, quand on aura géré cette situation. Ok. Je vais aller voir Nor. Et elle est où ? Donc là, ça va être notre nouveau camp pour l'instant. Alors, je vais regarder si on peut fabriquer. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai dit. Là, ils disent entre 86 et 104. J'ai pas le matos, hein. Mais là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai 40. Donc, automatiquement, mon équipement fera 40. Déjà, minimum. Et après, bah, admettons, si j'ai un 40 là et un 40 là, bon, on est à 120, quoi. Même si c'est bloqué à 104. Mais là, d'avoir deux mousses en 40... Suffit que j'arrive à avoir un petit croc sublime. De toute façon, il demande un croc sublime, donc ça va être 40. Et je crois que noble, ça dépasse pas les 30. Donc, on peut avoir quand même quelque chose de pas mal. Bah voilà, là, on peut le voir tout de suite. Là, si je crée un équipement, disons entre 15 et 83. C'est soit j'en fais un à 30, soit j'en fais un à... merde. C'était à 20, je crois. Moi, je suis à 62, donc ça sert à rien. Je serais... Je serais perdant. Bon, bah là, j'ai pas ce qu'il faut. Là, j'ai rien non plus. Oh, là, j'ai rien. Plan. L'arc. On va en faire un à 133. Et le mien, il est à... Ah, c'est le propulseur de lance. 133 ? Oh, bah, je vais en faire un. Ouais, bah ouais, je suis à 124. Voilà. Et là, on a un arc qu'on augmente la portée. On va carrément équiper... Impeccable. Voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse vendre notre équipement. Ça, c'est un peu chiant parce que du coup, j'ai tout le temps l'inventaire plein. À part les jetés, c'est le seul truc que je peux faire, mais dommage qu'il n'y a pas un petit système qu'on puisse faire du troc, on va dire. Donner tel objet à quelqu'un et ainsi de suite, quoi. Ils me disent d'aller en bas et après de remonter en haut. Donc là, je comprends pas. Ah, il y avait ici. Ok. On va attendre le sas. Ouah, ils ont été vite pour reconstruire une base. Eh bah putain. Je m'attendais pas à ce que ça soit une base en fait. Je m'attendais à avoir un truc classique. Oh, c'est sympa. Je suis heureuse que tu sois en vie. Mais je dois te parler. Et qui me parle, c'est elle ou c'est Alma ? Alma, est-ce qu'elle est ? Son état est stable, je crois. On a fait ce qu'on pouvait. Elle souffrait beaucoup, on a préféré l'anesthésier. Elle va s'en sortir ? J'espère vraiment, mais je ne connais pas bien la physiologie Na'vi. Adjir aurait su quoi faire. Je peux aller le chercher. Adjir est mort. Oh non ! Adjir aussi ? Je suis désolée. Comment c'est arrivé ? Il y a eu tellement de morts. Je trouve que les personnages comme ça, PNJ, manquent cruellement de caractère. Là, on voit, elle est droite, parle. Ces malades sont difficiles à soigner avec nos médicaments. Tout le monde souffre et je n'ai pas le matériel qu'il faut. C'est dommage. Je peux aller en chercher. Peut-être qu'on a quelque chose pour les soulager. Oui, peut-être. Je vais faire un plan rapproché ou quand elle est triste ou quoi, mais... Je l'ai vu bouder quelque part dehors. Je dois retourner auprès d'Alma.
Désolé. En fait, il n'y a aucune émotion sur les PNJ. C'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? C'est là qu'on voit que ça a été vraiment concentré sur... Rinella a l'air surmenée. Pour les navis, quoi. Tu devrais peut-être aller lui parler. Ouais, pour l'instant, ça me dit pas. Infirmerie. Attendez. Ah, nouvelle quête. Attends, est-ce que c'est la quête principale ou pas, ça ? Ouais, si, c'est la quête principale. Bon, bah, faut qu'on remonte là où j'étais tout à l'heure. Et je sais qu'il y a des camps où on peut... Il y a un sac où on peut poser des trucs à l'intérieur pour contribuer. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait que... Faudrait que j'essaye. Non, j'en ai qu'un, donc... Mais là, je vois pas de grand sac pour contribuer. J'aurais donné... Ah. Je crois que c'en est un, ça, non ? Voilà. Ah non, placer dans la cache. Ça, c'est juste pour placer dans mon... Ah, quoi qu'il arrive, ça sera toujours mieux que d'avoir ça sur moi. Instant sublime, mais il était pas... Après, j'ai le droit à 200. Tout ce qui est équipement, je vais poser. Nourriture. Ça, je suis plein. Je vais poser un peu de... À la limite, voilà, quoi. Ça, je vais le manger après, je vais être malade, mais c'est pas grave. 19 ingrédients. Bon, tout ça, je vais tout poser. Et voilà, on va faire un peu de... Ça, j'ai mieux. Voilà, comme ça. En fait, voilà, il n'y a que ça. On peut soit poser. Je crois que c'est vraiment dans les camps purs où j'avais trouvé un truc pour contribuer. Et ça augmente la faveur du clan. Voilà, malheureusement, je l'ai pas vu, donc... Voilà. Tu es donc bien revenu. Je suis vraiment heureux. Après, je sais pas, c'est en mettant les trucs dans son sac. Je venais voir comment si on peut quand même les utiliser à distance. J'aimerais qu'on arrête de me poser la question. Autre chose ? Oui. Alma a dit à Rinella qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Kametire. Qu'est-ce que tu sais ? Kametire, c'est qui ? Ce n'est pas vrai. Les Kametire sont solitaires, mais ils sont réputés parmi les Na'vi pour être de très bons soigneurs. Vraiment ? Ah, ça va être un autre clan, je pense. Tu pourrais nous aider à soigner nos blessés ? Peut-être. Mon père allait les voir quand il avait besoin de remède. Je vais essayer de les trouver. Leur capitale, les Gorges, est cachée. Mais on allait souvent voir un herboriste dans un camp Kametire, pas loin d'ici. Tu te souviens de comment y aller ? Il y avait une rivière sinueuse à l'ombre des montagnes flottantes. Je me plaignais de devoir descendre la falaise à pied. Mais mon père me racontait les histoires du Grand Gentil, une créature rare qui vit dans cette région. Ah, c'est tout ce dont je me souviens. Ça devrait être suffisant. Je te contacte dès que je l'ai trouvé. Ah, je déteste ces choses. Mais d'accord. J'espère qu'ils me font assez confiance pour me connecter à Eiwa et en savoir plus sur les Kametire. Mon Ikran me manque. Il y a un endroit abandonné pas loin d'ici. Solek m'y a emmené pour que j'essaye de me reconnecter à Eiwa. Ah. Mais je n'ai pas osé. Je ne veux pas souiller Eiwa par mon côté humain et mes mauvais souvenirs. Peut-être qu'avec le temps, tu y parviendras. Oui. Donc on va peut-être pouvoir prendre le Ikran, parce qu'on avait fait un truc comme ça où on a... Bah, c'était à la plaine. Vers la gauche. Oui, on devait aller voir Eiwa pareil. Et si on allait voir Eiwa, on pouvait appeler après notre Ikran. Ce serait bien. Ok, donc là on est vraiment dans le côté... bien pelué, quoi. Oh. Alors, on voit en bas, c'est contaminé de partout. Ah, je sais pas si je vais aussi vite en glissant, par contre. Ah non. J'ai l'impression que je vais plus vite en courant. Il n'y a personne. Ça fait un bon moment que personne n'est venu ici. Tu penses qu'ils sont partis ? Les Kametire ? C'est pas possible. Pas eux. Ils doivent être quelque part. Que s'est-il passé pour qu'ils quittent cet endroit ?
J'aimerais bien les attendre, mais les autres ont besoin d'aide. Je ne peux pas les trouver à pied. Il me faut mon Ikran. Voilà. Ouais, je vous l'ai dit. C'est exactement ça qu'on a fait dans la plaine pour éviter de prendre le test de cheval là. Et là maintenant, voilà. Vous voler. Viens là ma titine. Ah c'est pareil, j'ai changé un peu de couleur, alors on est passé un peu sur du rouge. Et du coup, en la passant comme ça sur une autre couleur, en fait, je pouvais tout changer. Ah, j'ai pas de truc pour Titine. Wow, alors attendez. Est-ce qu'il y aurait... Tiens, ça, c'est tout en haut. Donc, qui dit que c'est tout en haut, dit que forcément, il y a la nourriture. Ouais, en fait, il y a un skin de base qui te donne. Et le skin qui te donne, il est vraiment tout bleu. On peut rien faire, en fait. Ouais, il est tout bleu. Mais il est bleu tacheté avec un équipement dessus. Mais impossible de le modifier quoi. Et si on fait soi-même là, au niveau des tâches et des équipements, on peut vraiment tout modifier de A à Z quoi. Ah, c'est un panier d'équipement, mais ouais, il n'y a pas la nourriture pour mon. Pour mon Ikran. Bon ça. Ah, je verrai en cours de route. Mais c'est vrai que l'endurance après elle va vite descendre quoi. Il me semble avoir un stock, c'est que je crois en bas. J'avais fait un gros stock justement de nourriture. Exprès pour que mon Ikran soit tranquille et pas comprendre pourquoi j'ai plus rien. Fallait me les faire. Généralement. De l'équipement qui n'est pas trop dégueu. C'est que t'as me fait chier l'autre là-haut là. Oh la crève. Malheureusement eux. Je les ai défoncé. Inventaire plein. Voilà, pour ça que ça je l'ai fait. Et c'est tout le temps là-dedans que j'ai eu. Médiocre. Voilà, là-dedans que j'ai eu de l'équipement un peu plus élevé que ce que j'ai déjà. Ça. Mine en trop, on va regarder le pantalon que j'ai eu. C'est un mode. Ouais, dégâts sur la monture 18. Ouais, non, là il est pas terrible. Et là, ouais, il y a zéro nourriture pour guide de chasseur. Je sais même plus en train d'y penser.
Ils nous mettent pas la nourriture pour les écrans. Ça, je crois. Non, c'est pas ça. Merde. La carte dans la carte. Ah ouais, on était très loin de chez nous en fait. Attendez, que j'ai fait pas mal d'endroits. Donc là, c'est panier. Ah, comment ça s'appelle? Normalement, il y a écrit, je crois, exprès. Que c'est des pouces. Ah, j'ai l'impression que c'est des pouces. Ah, c'est des tiges. Généralement, c'est que des trucs qui sont dans les hauteurs, au niveau des montagnes ou quoi. Par là. Oh, je sais plus. Oh, ça sert à quoi de flinguer ça? À rien? À rien. On y va, Titine. Bon, il faudra que je fasse gaffe du coup si je me fais attaquer parce que du coup, j'aurais pas réglé de la santé. Nord? Tu l'as trouvé? Oui. À première vue, il a l'air abandonné. Mais quelqu'un a allumé un feu. Bizarre. C'est qu'il est encore utilisé, alors. Regarde bien partout. C'est notre meilleure chance. Ça doit être ici. Des traces, je crois, sur le dessus, là. Oh, c'est un paquet. Il y a quelque chose dans la brume. Je me demande si... Ah oui, il faut que j'attende parce que sinon... Ce sera peut-être... Je me demande si... Ça, c'est relié à autre chose, donc c'est relié à ça. Un Kametire était ici. Un chaman qui préparait quelque chose près du feu. Il est parti récemment. Je me demande si... Ça, ça serait pas relié. Ces pièces, elles vont ensemble. Un effaroucheur. Le poids de l'eau fait pivoter le bras et il fait du bruit quand il tombe. Un chaman Kametire était là il y a peu. Je pourrais réparer cet effaroucheur et l'attirer jusqu'ici. Peut-être qu'il m'aidera. Il y a encore d'autres trucs en haut. Allez, les faire. On sait qu'il fallait aller récolter un, deux, trois matériels pour pouvoir le réparer apparemment, non? Eh bien, ça s'est passé exactement comme je l'avais prédit. C'est fascinant. Oh. Ah, lui. Ouah, pas gentil. Wow, what? Il m'a enlevé. Wow. Ah, mais là... Mais je vais crever, je peux pas esquiver. Je vais crever. Oh non! Tu sais, quand je fais des pas de côté, ça veut pas. En fait, quand je fais une esquive sur le côté, ça l'esquive pas. Vous voyez, hop, pas de côté. Il m'a dit fuck.
Ah bah, le problème c'est que si je prends pas de côté, je fais comment moi? Ouais, je vais lui rentrer dedans quoi. Ah le collier. Ah c'est là qu'il faut que je tire dans leur collier, mais c'est impossible. Tu es blessé? Non. Et tu te bats comme un champion zessois. Bah c'est enfin, une fille ou un mec? Je pense qu'il se battrait comme ça si j'en voyais un. C'est une fille mais avec une voix de mec. Tu en as vu toi? Oh oui. C'est fascinant. Ils sont trop peu dans les voix je pense. Tu es Sarentu ou la maladie du Yavé m'a emporté? En effet. La maladie du Yavé. Qu'est-ce que c'est? Le Yavé. Le brouillard qui brûle ta gorge et embrouille tes pensées. Je m'y suis perdu en l'étudiant. J'ai suivi les bruits d'effaroucheurs pour sortir. Yavé. Je crois en avoir déjà vu. D'où vient-il? Personne ne le sait. Ça remonte à la disparition des Sarentu. Certains pensent qu'Ewa punit les Kametire. Je n'y crois pas vraiment. Alors tu es Kametire? J'ai besoin de l'aide de votre meilleur chaman. Notre Tsahe Katoufi? Oh non. Elle ne veut voir personne. Peut-elle faire une exception? Mes amis sont malades. S'il te plaît. C'est délicat. Mokassa interdit les visites. Mais c'est une Sarentu. Est-ce bien ou mal? Et puis, elle m'a sauvé deux fois. J'ai pris ma décision. Je vais t'aider. Mais personne ne doit savoir. Où se situe la capitale? Alors, avec tes ailes, survole le lac et continue jusqu'au rocher que nous appelons la tête d'Ikran. Le sommet est plat et son nez pointe vers l'horizon. Merci. Comment tu t'appelles, au fait? Je suis Okur. Mais si quelqu'un demande, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé dans les gorges. Hein? Est-ce que je peux lui donner de la nourriture que j'ai là? Ah, ça n'a pas demandé grand chose, hein. Du coup, sur la carte, on est où? On est pas trop loin, ça va. J'ai un autre d'autre ou pas la nourriture? Et non. Ah oui, ça qui disait, ouais, ça fait une tête d'écrane. Ah si, ouais, c'est une tête d'écrane en fait, c'est vraiment une tête d'écrane. Ouais, la mâchoire, le creux de l'œil. Stylé de ouf. Ah, c'est ça les sacs que je parlais. Mais là, malheureusement, mon truc il est vide, je peux rien faire. Mais c'était ça. Sarentu. Ils portent la marque. Je pensais qu'ils étaient morts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le retour des Sarentu. Pourquoi sont-ils ici? Une Sarentu. Ce clan a disparu depuis bien longtemps. Alors, qui ose souiller notre sol avec tous ces mensonges? Je cherche votre Tsarek. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont blessés. On m'a dit que les Kametire étaient des soigneurs. On a besoin d'aide. Il n'y a rien pour toi ici. Surtout pas notre Tsarek. Ne serait-ce pas là notre devoir? Notre clan doit aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, notre Tsarek tue au lieu de soigner. Les voix des Sarentu ne sont plus parmi nous. Que des mensonges. Mais quel mensonge? La marque est bien là. Il suffit. Tu viens salir la mémoire de nos amis Sarentu. De toute façon, elle vit recluse. Très loin d'ici et hors de question de la déranger.
Quitte ces lieux, imposteur. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Ah, il croit pas que je serai Sarento. Tout le monde n'approuve pas la méthode de Mokasa. Retrouvons-nous au cercle des ancêtres, là où Eiwa nous montre le chemin. Là, je peux pas. Je peux créer 2-3 nourritures. Oh, j'ai que ça. Ah, du coup, je suis en train d'y penser ce que j'ai mis dans mon stock. À l'heure. Comment le récupérer? Parce que ça, c'est. J'ai pas l'impression que je puisse récupérer. Ça va être chiant s'il faut trouver un camp spécifique et tout. Et je pensais ne jamais en voir. Puis tu es entré dans le foyer des Kametire, comme si de rien n'était. Je ne savais pas. Quoi? Qu'on nous pense responsable de la mort des Sarentu? Mais c'est la RDA qui nous a pris, non? Pourquoi vous cacher? On ne se cache pas. Les autres clans nous ont tourné le dos. Et maintenant, Mokasa est notre seul guide. Notre Tsahik, Atufi, s'est perdu dans les méandres de son esprit. Atufi, où puis-je la trouver? Personne ne voit Atufi. Mokasa l'interdit. Elle a arrêté de se battre pour nous il y a bien longtemps. Mais j'aimerais simplement lui parler. Peut-être que voir un Sarentu nous la ramènera. Elle a trouvé refuge près des chutes derrière la capitale. Si tu la vois, dis-lui que ça, Nei, t'envoie. Je savais que tu avais l'âme d'une guerrière. C'est une belle victoire. Ah, ils m'ont donné un point de compétence. Oh! C'est de plastron, là? 72. Voilà, on va passer level 11 dans... dans un seul équipement, donc on n'est pas trop mal. Sacoche. Ah mais où... J'ai envie de savoir où je peux récupérer mon équipement. Point de compétence, j'en ai eu là. On a deux. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Pas plus de flèches. Après, je pourrais prendre celui-là à 3. Tu as besoin de quelque chose? Prends les plans. Oh. 79, c'est pas dégueu, hein. Mode haut, attaque à distance. Le... Ah, ça me prend de la faveur, donc franchement, gaffe. J'ai l'impression que ça me prend de la faveur. Hein. Comme terminer des quêtes, augmente la faveur auprès. Peut-être c'est l'inverse, en prenant, on monte la faveur, j'en ai. Regardez, mais je crois que je suis pas trop mal. La cheville 36, là... Face à 79, c'est largement pas déconnant. Là, de 40, je passe à 79. Bon, par contre, j'ai pas les bonus de santé supplémentaires ou quoi, mais... C'est pareil, au moins, je monte pas mal. Le plastron, de toute façon, j'ai largement mieux. Au niveau du mode... Bref. Et la quête... Où sont-elles passées? Je pile poil ce qu'il faut pour la quête. On voit en haut le 13, il est en vert.
Donc c'est que je suis pas mal. Par contre, ça m'affiche pas. Bon. Il faudrait que je fasse là avec les objets sublimes ou quoi. Ça serait là, ça serait meilleur et ça m'évitera de utiliser des faveurs pour rien. Ok. Quand je vois les dégâts, je le fais. Ah, c'est dingue niveau dégâts. Ok. Oh, ça a pas l'air d'être terrible, hein. On va regarder. Ah si, quand même plus élevé, hein. Je pensais pas. C'est tellement retard dans les équipements de regardeur, ça veut dire. Et du coup, ouais, je peux faire pas mal de flèches là. Ok. Kilo max. C'est stylé par là. Les grandes tiges là. Que je pêche aussi. Ah, je peux pas l'éviter, c'est chiant. Bon, je les ai tous. On va dire mal tué. Inventaire plein. Ça fait quoi si je flanque ça? Ah. Une pièce détachée. Alors par contre je récupère mais ça me donne rien. Donc,
trop ce que ça me donne, on va dire. Ah, j'ai même pas regardé d'ailleurs ce qu'on a eu. Endurance d'Ikran. Ah, pas dégueu ça par contre. Hein. Pardon, juste une seconde. Ah, dis-moi qu'il y a un truc. Un genre de stock là. Ah, il doit y avoir une autre entrée. Entrée. Non. Hey, qu'est-ce que tu es perdu, étrangère? Non, ça c'est pas ma quête, ça. Alors peut-être que si c'était ma quête, non? Non, c'est ma quête. Cette barrière de plantes, comme celle de la volière. Ah mais normalement c'était ça, j'avais qu'à tirer dessus. Ouais, ça voilà. Y est. Je dois trouver les autres. Bah, les autres, on voit comment ça descend. Ok. Cette tige là. Juste. Jusqu'à là. Je crois qu'on est bon. Pas sûr. Il manque une tige. Ah. Je crois que j'ai trouvé. Il n'y a encore pas de. Ça fait ça, pas de choses là pour. Pas de coffre, on va dire. Des grands sacs. Atoufi ? Avance dans la lumière où je pourrais te voir. Oh ! On m'a dit que tu étais la meilleure chamane des Kamatire. Mensonge ! Oui, il fut un temps où soigner me faisait me sentir bien. Et aussi puissante. J'avais le pouvoir du mal. Ses mains en sont la preuve. Et... j'ai fini par créer ceci. Voilà. Je l'ai fait pour soigner, mais ça n'a causé que du mal. Et maintenant, ton peuple gît dans le brouillard. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant. Je t'ai tué. Comme les autres. Non. Ceux qui viennent du ciel nous ont tués. Non, c'était moi. Il y a déjà tellement de morts. Non. Je te l'ai dit, c'est bien trop dangereux. Je ne veux pas prendre le risque de soigner d'autres innocents. Mais si tu ne les aides pas, nos blessés vont mourir. Alors ils vont mourir. Nor ? Je t'entends. Tu les as trouvés ? Je viens de voir la Tsaïk Atoufi. Ah voilà, c'est ça, de pour les faveurs. Je t'avais dit qu'ils étaient reclus. Il n'y a pas que ça. Quelque chose cloche. Elle a l'air perdue. Elle pense avoir tué les Sarentu. Est-ce que c'est possible ? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'elle a dit autre chose ? Qu'elle ne peut pas nous aider et que nous sommes perdus dans la brume ? C'est étrange. Peut-être qu'elle...
personne ne veut m'aider. Ils ont l'air d'avoir peur. Alma dit qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mais les Kamétirés ont toujours été bienveillants. C'est étrange. Il doit y avoir un autre chaman Kamétiré. N'importe qui. Vous êtes elle, hein. Une garde d'Atoufi. Elle m'a déjà aidé. Je vais voir ce qu'elle sait. Elle est pile devant, donc... Voilà. Pourquoi Atoufi refuse de m'aider? Je pensais que c'était une soigneuse. Atoufi est troublée. Il lui faut du temps. Mais je n'ai pas le temps. Ceux qui viennent du ciel nous ont attaqués. Beaucoup sont morts, d'autres sont malades. S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. Personne ne doit savoir que je t'ai aidé. Mais il y a un autre chaman. Il s'appelle Sioul. Où puis-je le trouver? L'herboristerie est interdite. Mais Sioul persiste. Pourquoi c'est interdit? On m'a dit que vous étiez de grands herboristes. Si tu trouves Sioul, il t'expliquera. Je peux pas vous aider si personne me dit ce qui se passe. Parle à Sioul. Les herboristes se sont établis dans les gorges. Il sera peut-être là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, va-t'en. Je comprends. Merci. Elle est là-haut. Alors du clan, ok, ça a monté un petit peu. Vivre. Ah. Ah bah non, c'est toujours le même qui reste affiché. Nor, il y a un autre chaman. Sioul. Est-ce qu'il va nous aider? Je l'espère. Le temps d'arriver jusqu'à là-haut, à mon avis, c'est pas à côté. Ah, quoique. Quoique, on dirait bien que c'est à côté. Ah, c'est derrière le crâne. Merde, c'était là. Eh oh, Sioul? Sioul? Nor, je suis à l'atelier de Sioul. Ça a l'air abandonné. Depuis un moment. Pourquoi il y a autant de Kamétirés qui disparaissent? Tu penses que c'est le Yavé? Je vais jeter un œil. Alors c'est l'inverse. Non, attends. C'est pas ça. C'est pas lié avec ça? Et avec quoi dans ce cas-là? Non. C'est attends. Peut-être lié à... Qui ça? Ceux qui viennent du ciel. On devrait plutôt les appeler les petits. Une peinture de canyon, des empreintes de mains. Sioul voulait peut-être que quelqu'un le suive. Et ça, du coup, je pense que c'est lié avec le reste. Je me demande si Sioul essaie de créer quelque chose avec cet épineuil. Sioul cherche à faire quelque chose. Mais la garde d'Atoufi a dit que l'herboristerie est interdite. Peut-être que Sioul ne pouvait plus se cacher ici. Et il serait parti au canyon. Peut-être qu'il y a l'étrange épineuil aussi. C'est proche du Yavé. Je vais essayer de le trouver. Là. Ah, elle ne vient pas. C'est ici mon sac. Allez, envole-toi. Merci.
Ah, ça va être derrière les rochers. Ça monte, hein. Attends, c'était level 13 la quête, non, c'est level 14. Le problème, c'est que j'ai plus à manger pour mon écran. Ah bah. Voilà, Nord. Je crois que j'ai trouvé le canyon. Il ressemble beaucoup au dessin de Sioul, mais je ne le vois nulle part. C'est une perte de temps. Tu devrais peut-être revenir. Attends, je vais chercher cet épineuil. Trouver l'épineuil. Alors attends, ma guide de chasseur. Je vais enlever. Ça. Épingler. Épineuil, épineuil, ça va être, de toute façon, ça va être là-dedans. Hein. Quoi ça? Oh, je ne sais pas. Exemplaire. Ça va être pareil, ça va être un table ou pas. Table aussi. Là, je vais prendre un petit stock parce que j'en ai pas énormément. Bah, je connais pas. On doit en avoir dans chaque. Après, est-ce que le maximum c'est convenable sur cela ou pas? C'est ça le truc que je me dis. Ah mais c'est ça qu'il faut en plus pour créer mes... Mais comment on appelle ça? Mes espèces de lance-grenades là. Oh, il y en a plein sur celui-là. Ah non, c'est que du convenable, hein, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors qu'on est pile poil en mode exemplaire et on est sur le temps sec. Voilà, on a récupéré. On va aller là-haut. Hein. Ah, quand tu penses que c'est l'écran qui fait ce bruit là, mon gars, qu'est-ce qui t'a occupé? Pour des équipements, ça peut servir. Hein, ce truc. Ah ouais, le maximum, c'est ça, ouais, c'est 30. What? Examiner les pinailles à mes cheveux communs. Je vais rien faire. Attends, je vais regarder s'il disparaît quelque chose dessus. Ah non, se trouve dans les cascades. C'est tout quoi. Tout mon état de à cause du brouillard toxique. Ah. Ok. Donc, il dort quand il est en état toxique. Mais du coup, si j'enlève le brouillard, logiquement, il est plus censé avoir du toxique. Il dit pas comment l'enlever.
pas du tout comment. Si je mets une flash, ça a rien à voir, quoi. En noir. Nor, il y a beaucoup d'épineuil. Ce n'est pas normal. Sioul, as-tu venu ici? Je crois aussi. Je peux sentir un camé tiré. Qu'est-ce que fait Sioul ici, à votre avis? Il essaie de résoudre les problèmes de son clan. Comme... Ouais, ils m'ont repéré instant. Comment ça va au QG? Wesh! On peut les flinguer au moins ces trucs parce que. Ça fait rien de toute façon. Rien. C'est toxique tout le long là. Ah mais... Par là quand même. Les repères de la piste. Pour ces cadeaux. Oh, pas mal de trucs nobles. Par contre, pas ça. Wow. Ah, le chemin qui me fait prendre, il est encore en plein milieu de... Voilà. Ah, il est parti vachement haut là. Il est là.
Wesh, il y a un camp ici. Il y a une installation de la RDA. C'est calme. Pas de RDA ici. Tu crois que Sioul est à l'intérieur? Une seule façon de le savoir. Il est peut-être désespéré. Aucun vrai nazi ne manipulerait du métal. Ça n'a pas le moindre sens. Ok, ça. On recharge tout à bloc. Voilà, il y a des frises à gogo. Dès que je suis rentré dedans là, laisse tomber les frises. Non, non, ça ne va pas. Au cours ? Oh, pardon. Bah, encore une fille qui a une voix de mec. Je c'est quoi ça ? Ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas moi. C'est pour de la recherche, pour enlever le Yahvé. Mon mentor Sioul a trouvé tout ça. Je me suis dit que je pouvais continuer son travail maintenant qu'il est mort. Sioul est mort? Je suis désolée. Ah mais c'est celle de tout à l'heure ça. M'aider. Atoufi semblait terrifié de me voir. Quoi? Tu as parlé à Atoufi? Sioul a toujours pensé que ce n'était pas sa faute, ce qui était arrivé au... Oh. À mon peuple. S'il avait raison, peut-être qu'Atoufi pourra enfin, je ne sais pas, arrêter de s'en vouloir. Enseigner de nouveau nos traditions à des gens comme moi. Sioul venait tout le temps ici. Il était persuadé que le Yahvé cachait des secrets sur le sort des Sarentu. Trouve la vérité, disait-il. La vérité? À propos de ce qui est arrivé à mon clan? À propos de ce qu'Atoufi a fait? Ou n'a pas fait. Sioul essayait de nous protéger du Yahvé. Tout son travail est ici. Mais je ne peux pas entrer. Et il y a aussi du Yahvé. Tu crois que les objets de ceux qui viennent du ciel pourraient nous aider? Bon les gars, on continuera cette mission dans le prochain épisode. Je suis en train de voir là qu'on est quand même pas mal au niveau de l'épisode. Je pensais pas que j'étais déjà à 1h40. Donc les gars, ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le petit like, de vous abonner. Puis à la prochaine. Ciao tout le monde.